Mardi 26 décembre 2023, bonjour, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le journal nous pour aujourd'hui. Puis, pour une vague pour nous développer pour aujourd'hui dans le journal, ça, Israël dit pas de camper, pas de faire back dans la guerre qu'il a mené contre militants Hamasio pendant la crise humanitaire lui-même l'a augmenté chaque jour plus. Ukraine, beaucoup de parlants crasés, un gros coquin chaîne bateau, n'imprimé à un gros missile. Action ça a mis plusieurs monde en difficulté pendant que plusieurs gros bâtiments lui-même qui rivaient victimes. Dans le pays d'Haïti, la police nationale d'Haïti t'en met plusieurs gros bout de ton opération. Pendant la saison Noël là, eh bien, qui pote fi, kote ke gen plizye moun, qui bat gros bravo parce que la police nationale d'Haïti li s'est monté pour qu'elle capable protéger et servir. C'est tout point ça yo, ak divers lot nou va gen pour nous développer pour aujourd'hui à nan journal ça. Rete connecté ak nous pendant ce temps, n'a bien informé yo. Yon autre fois encore, go bonsoir pour nous tous et bienvenue dans développement journal si là. Affrontement qui gagnait en temps pays Israël ensemble avec un militant Hamasio, yo pas décidé camper en dedans Moyen-Orient. Eh bien Israël en beaucoup de parle lui-même lui dit pas gagne camper, li pa fait bac quand nan gros bout de ton opération militaire que au même yo a mené contre Hamas pendant gagne sa que le crise humanitaire lui-même li a augmenté chaque jour plus. Ayer après hier lundi zami internet 25 décembre nan gagne 10 moun qui rive fè voil pour pays sans chapeau pendant gagne plusieurs autres qui rive blessé par avec yon attaque israélien aérien tout près yon l'hôpital selon résident qui a vivant nan zone ça. Gagne président israélien lui-même qui mettait casti nan tête li bot in en pied là qui cementé ensemble avec tout l'autre israélien qui dit pas gagne rien qui a fait au camper nan bataille ça tout autant que même yo pas fini ensemble avec militant Hamasio qui a vivant nan endroit nan territoire Gaza. Ukraine fait connait l'écraser yon gros coquin chaîne bateau nan primé ak yon gros missile. La Grande-Bretagne ensemble avec la France yon même qui founi Kiev et bien qualité gros am sa yo plusieurs gros building rivé endommagé ak plusieurs autres moun qui rivé fait voilà pour pays sans chapeau et bien action sa yo cause plusieurs moun endommagé et gen plusieurs moun qui rivé trouvé en bas des combes que yo rivé a chercher le cap environ yon vingtaine de moun. La police nationale d'Haïti nan Port-au-Prince zami internaute tan men yon seri de gros coquin chaîne opération pendant saison Noël là. Et bien pendant avant saison Noël là, en pile moun nan te commencé a rele ki sa ou pral fè avec question insécurité ça côté que moun nan pa capable sorti. Mais ti monsieur PNH yo cementé 7 fois 77 fois pour que yo capable bay en sécurité, protéger et servir tout moun pour que yo capable sorti pendant Noël là sans aucun problème. Effectivement, ti monsieur sa yo lorsque yo sorti yo tan yo fait yo lancer plusieurs opérations et saisi plusieurs armes ak plusieurs latriers cartouches et yon machine rive saisi côté que en pile gang rive voler gagain et policiers même yon fait comprendre yon était obligé mettez corps dehors pour que population capable rive gagne confiance qu'elle doit gagner et sorti aller dans activité même gens ça l'était auparavant lorsque pays a lui-même l'était trouvé le gagner sécurité. Yon l'autre côté point qui dominait actualité ya nèg examen yo pas arrivé identifier et bien touyé ancien député Eli Blaise lui-même qui rivé joindre nan molan en dedans la Kaili en dans Maoutier 75 ans nèg examen rivé touyé c'est vrai et bien après crime ça yo rivé entrer et saisi yon latrier bagaille qui gagnait en dedans la caillon ancien parlementaire et bien d'après toute information que nous avons recueilli gagné madame mademoiselle dit monsieur juge de paix Jules Jean Edgar lui-même lui fait connaître que c'est un projectile et bien ancien directeur lui-même li prend dans poitrine droite li qui cause que lui-même li rivé mourir et d'après déclaration même juge ami internaute il fait comprendre tout c'est pas hier seulement t'assemblé et bien ancien directeur OAVCT lui-même li t'est arrivé mourir parce que pour odeur que lui-même li rivé gétan bail ça veut dire il était gétan mourir
avant 25 décembre la Cali, pendant li pas gagné ni yon femme de ménage, ni yon moun qui te trouvé en dedans la poule, ni madame ni pièce moun qui t'a vivre ensemble avec lui en dedans Kayla Maotière. Yon l'homme a rappelé tout, eh bien ancien parlementaire lui-même, c'est un moun qui était député pour commune Kafou de 2006 à 2010 et en même temps tout l'été même arrivé étant directeur général OAVCT. Bonne nouvelle pour famille Banat Daniel, journaliste ça, lui-même qui a fonctionné en dedans Regard FM, qui te fait un bon bout de temps en dedans Radio Zénith. Et bien, madame, mademoiselle, des messieurs, nèg examen qui te kidnappé pendant une quinzaine de jours. Et bien, nèg te kidnappé le 15 décembre qui s'est passé. Et bien, après qu'il a été fin demandé $500,000 pour qu'il soit capable de libérer Banat Daniel, en pile, monde te commencé à inquiéter, famille. T'ap rele à droite à gauche qui ça qui au pral fait pour capable libérer et bien journaliste là et bien matin en bien bonnet li rive joindre libération là contre rançon et bien côté que gen en pile moun qui content plusieurs membres dans famille fait diverses déclarations parmi là dan yo gen on qui fait connait après libération ça yo mandé avec l'état pour prendre responsabilité là pour capable sécuriser tout citoyen qui a vivant dans pays d'Haïti nèg 400 maozo qui a dirigé par l'amos jour et bien yo même qui gagnait plusieurs années côté que yo montré si yo même qui se mettre essayer dans plein dans la police qui vraiment paraît impuissant devant et bien groupe gang ça monsieur Sayo yo kidnappé madame mademoiselle dit monsieur yon famille de 6 moun papa maman ensemble avec 4 ans et bien 4 jolies filles et bien 4 petits moun Sayo et bien gagnait pipitia qui gagnait 6 l'année ensemble avec avant dernier qui gagnait 10 l'année monsieur rive kidnappé toute famille en général yo touye ti petit qui gagne 6 ans ensemble avec 10 ans ça mettait un gros véritable tête chargé et bien en dedans et en dedans savane blonde côté que action ça li même li fait en pile moun a crié en pile moun a relé pour faire connait crime ça li rive nan bout li zanmi internaute c'est moment pour la police avec tout gouvernement prend responsabilité pour capable et bien sécuriser toute population toute Haïti en général. Voilà, c'est là nous mettons fin ensemble avec le journal là pour jeudi. Juste avant que nous-mêmes nous allions, nous rappelons quelques points nous arrivons à développer pour vous dans le journal ça. Israël dit pas gen fait bacan pas gen campé nan gros guerre que les même li a mené contre militants Hamas yo pendant crise humanitaire li même la pa avancé chaque jour plus Ukraine li même li fait konnen li crase yon gros bateau nan gros kokenn chaîne nan bateau nan primé ak yon gros missile et ben action ça qui permet que gen plusieurs gros bâtiments qui rive endommagé et plusieurs moun rive fait voile pour pays sans chapeau la police nationale d'Haïti bon côté pas nous dans capitale là et bien mené en coquin chaîne opération pendant saison Noël là côté gain plusieurs monde qui pas capable river sorti aller dans activité yo pour que capable fonctionner Jean Sali même l'était auparavant c'est tout point ça yo à divers autres nous t'arrivé développer pour dans journal ça restez connecté avec nous monde qui t'a présenté au journal là pour jeudi 26 décembre 2023 c'est tes amis Jerry Cheristal entre temps n'a pas ensemble avec VOA Creole pour divers reportages. Mesdames, messieurs, bonsoir depuis Studio 4 La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir pour Naveo pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Nous souhaitons que passer une bonne fête de Noël et nous comptons une autre fois encore avec vous pour nous présenter l'actualité. Moi, c'est Jacqueline Belizier, quelqu'un de grand point qui a dominé l'actualité. Actualité internationale, l'armée pays Ukraine fait qu'on ait explosé et incendié un bateau russe dans le port Fedeosia, dans la Crimée. Toujours dans l'international, Israël dit pas gain fait back dans opération militaire la mené contre Hamas pendant crise humanitaire dans Gaza a vinn plus grave chaque jour. En France, plus passé 50 artistes poté soutien yo bay Gérard Depardieu qui en bas accusation pour viol. Et puis dans le pays d'Haïti, la police nationale mené plusieurs opérations pendant week-end fête Noël là. Et puis il faut dire que dans Miami te gain gros fête Noël avec surtout Emeline Michel et Lionel Benjamin. N'a gain pour nous ça pita dans programme, n'a commencé avec actualité a. Eh bien, concernant pays Ukraine, pays la Russie, et bien pays Ukraine fait connait que li explosé et incendié un bateau russe dans port Fedeosia dans Crimée. Serge Michel gain détail.
Ukraine dit qu'il frappait un gros moment bateau dans la Crimée dans une attaque à missile rapide pendant la nuit là qui détruit pour petit yon moun. Porte-parole aviation militaire ukraine, Yuri Ikhnat, pas de préciser aujourd'hui médian qui genre de missile rapide qui desservit dans l'attaque là, mais c'est Grande-Bretagne avec la France qui défournit Kiev Zamsayo. Ministre de Défense de la Russie qui agence nouvelle Interfax cité dit gros bateau ça qui servit comme porte-avion qui est le Novotcherkassk subit dommage. Frappe la gêne et fois la Russie pour saisir plus territoire en Ukraine sous côte la mémoire. Quelques buildings dans la ville port Féodosia te subi des gaz, ciment à cause sous course explosion missile. La Russie te annexe Crimée qui donc te prend la main Ukraine en 2014. Dans une action, Kiev avec l'Occident condamné. Président Vladimir Poutine te dit moi ça que Odessa, quartier général de la marine ukraine, c'est une ville russe. Sergei Aksionov, gouverneur de la Russie installé dans Crimée, dit sous Telegram que yon moun pedi la vie dans l'attaque là. Yon contre-offensive ukraine pas te fait gros avance sous champ de bataille là. Et l'armée russe te reprend contrôle plusieurs côtés. Mais Ukraine réussit fait gros dégâts dans l'attaque sous Crimée. Qui se quartier général flotte la Russie dans la mer Noire. Attaque qui était faite en vente et visait bateau qui était accosté sous terre sec, bateau Laguen en port Sévastopol, dans champ d'aviation, dans le principal building qui était logé quartier général flotte la mer Noire, avec pont qui connectait Paticide, la Russie à Crimée. Tout pendant guerre, la Russie servit avec flotte li pour empêcher l'Ukraine d'avoir accès dans la mer Noire, qui est la principale route pour exporter produits agriculteurs et acier qui était représenté et un gros morceau dans l'économie paysan. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge, nous pour aller dans la région Moyen-Orient, dans Proche-Orient, côté affrontement yo a continué. Israël dit pas gain fait back dans opération militaire contre Hamas pendant crise humanitaire dans Gaza a vinn plus grave chaque jour de plus en plus. Gentil Augustin Junior. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu promet pour ne pas abandonner la guerre dans Gaza pendant la quantité de monde qui a mouru a augmenté. La guerre n'a pas fini. Libre a fini dans une victoire totale. Pas gain rien moins. Lundi, gouvernement israélien a publié image Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a mis un casque avec une jacket Kevlar, qui est arrivé dans un tank pour accueillir les soldats israéliens en dedans Gaza. Attaque aérienne ak terrestre l'armée Israël la pou pini Hamas te fait vilio tourner désert et ministère santé Gaza te dit semaine passée ya quantité moun ki mouri yo te passé 20,000 et quoi gen plus passé 2 milliers qui enterré en bas des brio. Ayer lundi 25 décembre nan 10 moun te mouri et plusieurs autres blessés après une attaque aérienne israélienne te visé yon kay tout près l'hôpital européen nan Khan Younis d'après résident yo. Yo te wè palestinien kap cherché en bas des bris kay qui te détruit a qui te servi comme abri pour plus passer 20 moun qui te déplacé tant kouti moun ak fam. Soleil la juste couché. Nous te tande yon gros son explosion. Jean ou kawè qui te détruit quartier ya ak building yo. Te gen moun ki déplacé ak résident en dedans kay la. Plus passer 20 moun, ti moun ak fam. Nous te rive sauver quelques ti moun, mais l'autre yo te mouri. À cause tout attaque kap multiplié chaque jour yo, résident Gaza yo pa gen yon côté fixe pour rete. Yo obligé à déplacer chaque jour pour sauver la vie yo. Gagnien qui dit c'est chasser y a chasser yo. Nous te déplacé. Avion te bombardé nous et l'école là pas en sécurité. C'est comme ça pendant nous t'a sorti, te gen tiré professionnel ak moun yo te touye. Nous sorti depuis 2 jours et situation pas amélioré. Yon équipe humanitaire Nations Unies te déplacé. Situation a toujours été très difficile dans la région Moyen-Orient, dans la guerre Israël-Hamas. Eh bien, côté que grand pile organisation internationale, en pile pays, qui a levé la voix pour dire que la situation dans Gaza a vu une plus grave, côté que la crise humanitaire qui a aggravé chaque groupe et plus. C'est comme ça que les Nations Unies annoncé, ils ont communiqué, ils ont nommé
hollandaise Sigrid Kaag comme principale coordinatrice qui vient pour superviser secours humanitaire dans direction Gaza avec reconstruction ville. Nomination ça entrée dans cadre résolution Conseil sécurité Nations Unies. Te prend et ça vendredi qui se passe là. Madame Sigrid Kaag, ancien ministre et finance dans le pays la Hollande après fonction 8 janvier 2024. Et puis hier lundi, l'armée américaine lui-même li mené quelques frappes contre milice qui gagne soutien Iran dans Irak. D'après autorité américaine, c'est en réponse pour une attaque avec drone qui blessait 3 militaires. Américain. Ou toujours souvé ou akol, l'op suivi un programme dans l'encre haïtien. L'autre point dans l'actualité a gagné un porte-parole leader opposition Wisla Alexei Navalny qui fait connaître qu'il y aurait réussi une nouvelle, monsieur, après 3 semaines. Yon reportage, Serge Rodriguez. Well, we find Alexei after 3 weeks of search. Partisan leader opposition dans la Russie, Alexei Navalny, qui est en prison pour Nia, et bien, il fait qu'on ait rejoint lui dans une colonie prison, qui est dans une zone arctique là, qui donc 3 semaines après avoir perdu tout contact avec lui. Monsieur Navalny, qui s'est plus gros l'ennemi président russe Vladimir Poutine, a pigé une sentence 19 ans prison en bas accusation d'activité extrémiste. Jusqu'à présent, il était fermé dans la région Vladimir, qui est dans le centre de la Russie, et qui trouvait sur une distance 230 km avec partie l'Est, capitale là, Moscou. Et avocat lui a dit qu'il n'y a pas en mesure pour entrer en contact avec lui depuis date 6 décembre passé. Pour le parole leader opposition, Kira Yarmish, dit qu'il a finalement joué en ligne en colonie prison en ville Cap, qui est dans une Yamalonenet, et qui trouvait sur une distance 1900 km au nord-est, capitale la Russie, à Moscou. Pour parole qui a Yarmish, dit la presse, M. Navalny peut-il bien, au moins aussi bien que possible, après un épisode manche longue comme ça, et que l'avocat lui était allé visiter la prison. Colonie prison côté Alexei Navalny fermé, a une réputation comme côté saison Fredia long et malouk en pile en pile. Ville Silla, sur une distance 100 km avec ville Vorkuta, qui chargée avec mine charbon parmi zone qui pi macaron pour mon travail, n'est pas qu'en prison Goulagio, qui existait sous l'ancien régime Union soviétique. Là. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. Et nous allons parler immigration, situation sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Là. Et bien, situation ça toujours difficile, surtout pour migrants, pendant que un peu grand pile pression qu'a fait sous administration Biden. Et migrants et tout à plein pour situation. Nous parlons jeunes Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, situation compliqué pour l'autorité américaine, il est compliqué pour l'autorité mexicaine, mais il est encore plus compliqué encore pour les migrants. Oui, je vous dis à Jacqueline, il est tellement compliqué que mercredi 27 décembre, et bien, une délégation au niveau américain qui peut aller au Mexique exactement pour chita parler avec le président mexicain Andrés Manuel Obrador pour discuter de question ça. Et question ça a discuté dans un moment et depuis quelques jours, il y a une gros caravane, nous a dit non, caravane qui dérapait, qui quittait Tapachula et qui mettait tête pour frontière alors que l'autorité américaine a babillé, républicain mettre pression sur l'administration et nous connaissons pas l'entrée dans l'année électorale. Donc, à comprendre qui gens que l'administration a fait effort pour que ce dossier immigration ne pas tourner une cigarette qui met en deux bouts de poulie. Plusieurs milliers d'immigrants qui sont en Amérique centrale pour plus fort, partis quitter Tapachula et Tachapas depuis 24 décembre en direction frontière États-Unis partagée avec Mexique. Voyage manchonk ça a commencé quelques jours après le président mexicain Andrés Manuel López Obrador promettre à l'administration américaine qu'elle n'a pas adopté les mesures nécessaires pour empêcher les immigrants d'arriver sur la frontière. Parmi les mesures, c'est déporter les immigrants dans le pays d'origine. Et ya se les convirtió en un problema y tuvieron que detener. Le président López Obrador déclare que la situation a tourné un problème. L'autorité américaine est obligée de bloquer le voyage train commercial. Nous déjà résolu le problème. Ça, nous avons continué de travailler ensemble. Nous avons renforcé les mesures. Après, nous avons constaté une augmentation de la quantité d'immigrants qui a privé sur la frontière et qui n'est pas normale. La présence d'immigrants a affecté les relations commerciales entre deux pays. Les États-Unis sont utilisant. Militaire mexicain Luis García Vallagrán, qui a dirigé Caravanan, par les Boudis, États-Unis a utilisé le phénomène immigration, une mobilisation humaine, la lutte entre démocrates avec les républicains. L'administration américaine a poussé le gouvernement président Andrés Manuel López Obrador, qui a un point de vue différent avec eux.
tengo papeles. Yo tengo tres meses aquí. Misguel Jean, c'est un immigrant haïtien qui délégué trois mois depuis l'attente de documents dans l'autorité mexicaine sans aucun résultat. Moi fatigué tant dans le tabac de côté pas de travail. Moi grand goût, moi pas de l'argent pour me payer le loyer. Bagaille pas facile. Je viens huyendo de la mara. José Santos est un immigrant qui se tient en Honduras et qui travaille comme agent de sécurité avant que le groupe gang armé MS-13 ait forcé le coup de pays dans la direction des États-Unis. Je suis venu ici là après que j'ai en bas à main gang criminel MS-13 qui n'a pas suspendu de demander l'argent que nous pas possédé. Ils voulaient les munitions nous gagner pour nous faire travailler nous qui pas même assez. Ils ont menacé pour tout y'aimer trois fois. Moi, j'ai tellement peur pour la vie, et c'est comme ça que j'ai décidé de venir au Mexique, à qu'espoir il y a peur de moi arriver aux États-Unis. Mercredi 27 décembre 2023, le président Obrador a accueilli une délégation américaine au niveau, qui a bien en tête le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ministre de Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas avec l'autre officiel, pour discuter plan, il était discuté avec le président Joe Biden avant 29 décembre pour renforcer mes yeux pour empêcher les immigrants d'arriver sous frontière. Quantité d'immigrants qui traversent ces forêts dangereuses d'Ariane entre Colombie et Panama avant d'arriver au Mexique, arrivent à 500 000 pour l'année 2023, un chiffre qui doublé par rapport à l'année 2022. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. On a quitté les États-Unis, on a quitté l'Amérique latine pour aller juste en Europe pour nous parler de scandale que qui sous dos acteur Gérard Depardieu et Gampil gagne on soixantaine de artistes même qui prend position pour en faveur et acteur il dit que moyen monsieur c'est moyen l'art et en France déjà t'es gagne et président République là Emmanuel Macron avec membre famille acteur et parmi aux petite fille Julie et ben eux même était pour une position publique en faveur Depardieu. Et dans le moment où on a parlé là depuis scandale là, ben Gérard Depardieu et ben était radié dans sa rue l'ordre national Québec. Et titre qui était gagné en parlant de citoyen d'honneur de la commune d'Estampuy, en Belgique, et bien, il est perdu et titre ça. Et puis, on dit tout que, et bien, on a parlé de Depardieu, et bien, monsieur, toujours dans la situation côté que, il a retiré monsieur tout dans le musée et Grévin, dans le pays, et dans le pays, la France, dans la ville Paris, et on a rappelé que, et Musée Grévin, eh bien, il a été créé en 1882. C'est l'initiative journaliste Arthur Meyer, qui est fondateur du Gaulois puissant quotidien époque-là dans le Musée Grévin, qui a accueilli 800 000 visiteurs par année. Donc, c'est situation ça, c'est un gros scandale. Et président Emmanuel Macron, lui-même, lui dit, son admirateur et Gérard Depardieu, et il y a un pile de monde qui prend position en faveur, mais comme ça, tout gagne. Tout le monde, mouvement féministe, dit que son scandale que le président Emmanuel Macron eh bien, fait déclaration ça sur Depardieu, bien que le président Emmanuel Macron dit lui-même, il n'a pas pris place la justice. Même j'ai dit famille, Depardieu dit qu'il n'a pas pris place la justice, il a quitté la justice, fait travailler. Vous souvenez-vous à Créole, vous avez suivi un programme dans langue créole haïtienne. Merci d'être que vous branchez sous VOA Creole. N'a pas rappelé que 1er janvier, n'a pas gagné un programme spécial. Même j'en ai un programme spécial hier, 25 décembre 2023. N'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. La police nationale a saisi plusieurs véhicules à exam. À feu dans le cadre d'une série d'opérations dans la zone qui tout prépare au principe pendant le week-end fête Noël. Où dans tout ça? Service presse, acte, relations publiques. Institution policière fait connaître que samedi 23 décembre 2023 dans la zone boulevard La Saline, unité tankou brigade lutte contre vol véhicule BLVV, DCPJ, ak boy saisi et confisqué deux armes à feu ak yon véhicule Subaru Forester couleur bleue immatriculé AA54081 bandit armé abandonné suite à des échanges de tirs avec force l'audio tout près autorité portuaire nationale APN. Agent l'audio joigne un fusil AR-15 avec un pistolet KAHR à bord véhicule ça que la police confisqué en attendant procédure judiciaire.
Vendredi 22 décembre 2023, dans le centre-ville Port-au-Prince, l'équipe BLVVO, dans Boukantay Koudzam et Bandi, confisqué tout, yon véhicule Mac Mitsubishi, couleur blanche immatriculée AA55198. À bord véhicule ça, force l'audio joindre 4 téléphones portables pour qu'on y a des CPJ à mener enquête sous dossier. Série opération Sayo fait suite à dernière réunion au commandement PNH lanté organisé avec responsable juridiction police là sous plan sécurité yo élaboré particulièrement pour festivité fête fin l'année 2023 plus précisément dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince selon autorité policière yo. Oui, non, tout ça. Pour VOA, Créole, Port-au-Prince. L'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti, nous avons été toujours dans Port-au-Prince. Et cette fois, nous parlons dans la zone CAFO. Et bien, hier, lundi 25 décembre, la police dans la commune a découvert le cadavre d'un ancien député qui mourit, assassiné la Kaili depuis dimanche 24 décembre 2023. Détail avec Massiado Vilmé. Eli Blaise, c'est non ancien parlementaire Eli sous bannière PHTK, moun yo pas arrivé identifier tout yon babal la Kali dans commune Kafou. Selon juge de paix qui fait constat légal yo, Jean-Jules Rika, assassinat ancien député a c'est un crime planifié. Nous révélé que l'ex député a mouri d'un assassinat qui a assassiné la résidence civile, nous voyons que Kala vandalisé, que Kala fouillé la tête aux pieds. On voit que nous prenons des mesures conservatoires, nous avons retourné sur les lieux parce que nous j'ai mis le carré là parce que Kala est vandalisé. Mais mes crimes sont crimes odieux vraiment qui portent atteinte à honneur mon Kafou. Bon crime vraiment planifié pour nous-mêmes, d'après ça nous est. Et quoi vraiment appelé que nous avons bien porté des odeurs inacceptables que nous ça se devient soit d'abord. D'après jeune Kafouas là, c'est avenir. En pile monde assassin pour te aller tout. Après depuis blessé mourir là. Nous avons 10 000, nous avons plus de monde qui sont en chômage que de monde qui sont en chômage aujourd'hui. Nous avons 10 monde qui sont à l'école encore. Parce que Blaise, il n'y a pas de sacré demi boost pour aller à l'école. Il n'y a pas de boost pour aller à l'école. Mais je dis à personne ne va pas dire rien. Je dis à son insu. Blaise, c'est bon qui va le commenter dans les bagages politiques. Blaise, c'est pas qui va parler dans les bagages politiques. Blaise, c'est pas qui va mettre manifestation dehors. C'est pas qui va parler dans d'autres personnes dans le pays. Mais je dis à Blaise, mourir la Kali. Monsieur nous méchants, monsieur les Afro-Chine méchants, bourgeois salopes méchants. Nous devons dire, dans la déclaration de gang Marianne, nous fait un jour passé, a menacé pour envahir la commune Kafou. C'est dans le contexte ça, autorité locale, yo, parce qu'on demande concours aux autorités centrales pour éviter les bandits de prendre contrôle de la commune. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Dans l'actualité politique, la cohésion nationale, parti politique haïtien, dressé un tableau sous situation globale. Pays et Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Parti politique a fait bilan gouvernement Ariel Henry dans fin année 2023 et présenté perspective pour année 2024 pendant une conférence Libay journée lundi 26 décembre 2023. Cohésion nationale parti politique haïtien a dressé un tableau sombre sur situation paysan côté où mettait en évidence insécurité, misère, grand goût qui marquait année 2023 selon Alexandre Asnel. Porte-parole et stricti politique ça. Insécurité a vini pi grave. Question misère a vini pi grave. Question la justice là pas gain ça même. Et gouvernement ça qui là la profiter des faiblesses et hypocrisie classe politique là pour continuer nourrir insécurité qui est là pour être capable de faire plus de temps au pouvoir pour que la justice pas arrête pour que y aller dans prison dans question yo le mené dans assassinat président Jovenel après Dieu avec gaspillage l'argent qui a fait en dedans pays. En plus, dirigeant cohésion nationale parti politique haïtien yo dénoncé communauté internationale là pour contribution yo dans malheur pays d'Haïti, notamment les États-Unis, la France et le Canada. Pendant que yo même y a parlé de respect droit moun la kayo, y a imposé pour que yo respecte citoyen en dedans la kayo alors que en Haïti yo associé yo à un gouvernement gang et yo
a supporté un pouvoir pas respecté droit personne monde qui a fait des ordres en dedans pays. Enfin, parti Kona mandé toute couche dans société a pour mobiliser pour faire échec à gouvernement qui en 29 mois sous pouvoir pas arrivé faire rien de bon pour sortir pays a dans situation malo qu'il trouvait là. Nous clair, bataille à carré, nous dit gouvernement criminel sans qu'il a en école. Nous jouons à Binayo, nous faisons tout ça dépend de nous pour nous déboulonner avec toute communauté internationale. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et quand nous parlons dans le canal, la circulation haïtienne en dedans d'Abon, accès à service immigration dominicaine limité en pile. Et au reportage, Jodley Junior Saint-Ville. Après ouverture frontière Haïti à République Dominicaine nan te fin fèt en groupe poyet nan zone Wanamet, activité commerce la reprenn. Mais accès ak service immigration yo difficile en pile pour haïtiens qui vle faire entrer sorti yon façon légale en République Dominicaine, surtout nan moment fèt finissement année yo. Jean Guedex, c'est un citoyen haïtien kap expliqué VOA Creole jeudi mardi 26 décembre 2023 comment li paraît difficile pour le checker malgré visa pas expiré. 20 dollars américains et puis 1000 pesos plus amende encore pour le payer. Ça est une situation vraiment grave. Visa pas expiré, mais visa qui a fini dans ma vie. Yo checké dans la raquette. Les gens qui passent, qui checké normal. La raquette, mais pas que l'argent vous paye. Situation vraiment compliquée. Vous gagnez un l'argent, vous payez acheter un visa, le fini, visa parle à tout le monde. Poser la question, est-ce que le coupé en bas exigence autorité dominicaine yo fait? Tant que tout haïtien cap entré à l'acheter doit faire en pointe. Jean Guedex te répond comme ça. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Et puis nous voilà dans le département nord pays, autorité portuaire nationale APN prend réhabiliter port au Cap là à partir de mois janvier Cap Vinila grâce à un financement USAID pour un montant de 24 millions de dollars américains. Gérard Maxino depuis Cap Haïtien. Travail réhabilitation port au Cap là a commencé deuxième semaine mois janvier 2024 là. Selon directeur général APN, Justin Villiers, c'est USAID qui a financé le travail SAO pour un montant de 24 millions de dollars américains. Le travail SAO qui a commencé le mois prochain a duré deux ans selon DG1. À partir de deuxième semaine mois de janvier, nous avons des travaux qui sont financés par USAID à hauteur de 24 millions de dollars qui a commencé pour réhabiliter le port Cap Haïtien. Donc, le port Cap Haïtien, nous avons pas venu là pour avoir des travaux de démolition. Ensuite, par le conteneur pour le déplacer, pour nous venir gagner un autre port, un autre espace, côté nous qui a entreposé plus de conteneurs, côté plus de marchandises qui a transité pour sortir dans le pays ou entrer dans le pays. Combien de temps travaux ça va durer? Travaux ça a supposé durer deux ans. Mais six mois après, on a commencé à y faire. Travaux de réhabilitation pour et KEA et bassin n'ont pas fait partie de travaux ça. C'est infrastructure, ça veut dire c'est espace d'entreposage plus bâtiment administratif qui va le rénover. Il va faire construction un bâtiment pour administration, pour capitainerie, pour pilotage, pour sûreté et sécurité. Et il y a bien un espace aussi qui a réhabilité, qui a construit pour la douane. Il y a besoin pour travailler parce que si vous, en tant que journaliste, vous visitez POA, vous pouvez POA mériter réhabilité. Il y a un espace pour entreposer des conteneurs. Il n'y a pas de pavé. Et on connaît pour entreposer un conteneur, si l'espace-là n'est pas pavé, il n'est pas à niveau, le conteneur est endommagé. Donc, en plus, pour la circulation, les conteneurs après entrer à sortir dans le port, ils constituent un goulot d'étranglement pour la ville même. Pour Bel Boulevard, ça a gagné, encore des conteneurs campés sous l'île, qui ont besoin d'entrer ou qui ont besoin de sortir. Donc, il faut réhabiliter pour faire la circulation interne. Pour permettre que le conteneur cap sorti et qui pas nuit à la circulation ville là. Directeur général APN en fait connait, yo pral travail avec la mairie au cap, yon façon pour créer une autre sortie pour pouvoir empêcher blocage sous boulevard Cap Haïtien. Directeur général APN a annoncé formation qui pral faite pour employés qui travaillent dans port au cap là avec jeunes dans zone là. Gira Maxino Cap Haïtien pour la voix d'Amérique. Merci Maxino. Quand nous allons retourner dans la diaspora, nous allons en Floride, côté de gros célébration fête Noël, avec présence de icônes
en parlant de Emeline Michel et Lionel Benjamin. Jean-Marc Abelard, t'es présent. Samedi 23 décembre 2023, dans Ramada l'hôtel qui est dans Collins Avenue dans Miami, Floride, Doutropic à explosion 1580 AM, t'a invité public là pour venir fêter fête Noël là avec tonton Noël haïtien Lionel Benjamin, Diva Emeline Michel avec un groupe associé. Dans un bel réveillon Noël, Lionel Benjamin, Emeline Michel avec un groupe associé, t'a metté la joie dans que tout le monde qui était dans la salle là, dans faire revivre dans Ramada l'hôtel là tout un bel moment Noël là qui est passé en Haïti. Spectacle là, c'était un bel spectacle. C'est comme ça que Billy Vee était parlé dans micro VOA créole. Plus que satisfait, je pense que quand moi, je vais pour une invitation spéciale, si je devais faire des bâtiments, parce que belle soirée comme ça, nous demander pour être capable de faire. Et c'est, ça fait ça rappeler longtemps, longtemps, on a sorti avec madame Badi Ménage. Madame, et pour nous regarder une soirée comme ça, c'est soirée, c'est un concert. Candidat pour poste sénateur pour l'État Floride, là, ou Joseph, qui t'a participé dans le réveillon, ça, t'es dit vivre à créole, la salité, ouais, dans le spectacle. Salut, Lionel Benjamin, Michel, c'est des icônes dans la société noire. Je vous donne plaisir pour me danser. Pour me chanter ensemble avec vous, c'est toujours un honneur de positive énergie qui dégage en dedans là. Emeline Michel va jamais grand monde, moi que la jambe vieille. Et monsieur Lionel Benjamin, musique Noël va jamais vieille. Ça veut dire c'est toujours un plaisir, un honneur. C'est un très bel événement. Moi, je me sens me songer la caille moins de l'autre côté dans les yeux parce que je me songer la caille, je me sens la caille pour me tailler dans un moment ça. Oh, mon qui pat la soirée, yo perdu, me souhaiter année k'ap vini si bon Dieu ba ou la vie pour participer. Et m'a dit un gros coup de merci pour production. Toto non la ici, Lionel Benjamin, t'es expliqué dans micro VOA créole, contentement les gagnants des invitations si là. J'aime content parce qu'on est ce bande qu'on fait un peu longtemps même en Haïti, c'est toujours un spectacle Noël. Mais on connaît depuis quelques années, bah on va passer même genre. Donc on est bien content que invité me vienne une fête fête Noël. Surtout en ça, on est bayo. Pas fin trop de job net. Mais bien content de venir à toute famille là pour une fête Noël. Et puis, bah, mon anti espoir, bah, mon yo. Bah, mon yo la joie pour mon yo, pas stresser autant avant. Jean-Marc Hervé Abela, Miami, pour VOA Créole. Voilà, et c'est avec un bel air de Noël ça yo que nous avons fait un programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Nous disons un gros merci à Jean-Marc Hervé Abela qui t'a porté tout ça pour nous. Nous disons tout l'autre monde tout qui t'a participé dans la réalisation du programme. Nous disons un gros merci. Et puis nous disons tout le monde merci qui t'a participé dans la réalisation du programme spécial que nous t'a passé hier là. Mais pas oublier, 1er janvier, nous avons un autre programme spécial encore pour nous spécial qu'on y a. Moi, c'est Jacqueline Bélizère et Gentil Augustin Junior qui chef de pupitre. C'est l'été avec nous. Moi, c'est Jacques Mbélizard.